Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 16 de notre aventure sur Baldur's Gate 3. On se laissait alors que j'étais en train de mourir en fait. Oui, tu étais au bord de la mort. Un PV. Exactement. Vous êtes T'as tous tué le partis où? capote. Moi, je Et suis on est au parti au camp. camp là déjà. Ah ouais, Ah, d'accord, moi c'est. aussi, je suis au camp. Voilà, moi c'est. Moi C'est comme ça. j'introduis, vous vous barrez. Oui, bah oui, on te laisse avec les viewers, on est sympa. Non, mais on le laisse avec On ses veut pas te invoques, voler là, le tonnerre, il invoque. Bon. À toi les Du lauriers, coup. à toi les honneurs. Bah, Les parle-moi, lauriers, Volo, non? bah, je vais parler à Volo. Ça va, à Volo? Tout part à Volo. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Putain, I la was just tête. settling in and J'avais oublié que j'ai reviewing my changé de latest stuff. findings. Mind flayers, cultists, and of course, your esteemed company. C'est vrai qu'elle a l'air. Tête! T'as pas l'air super sympathique. C'est vraiment, comme c'est. Je vous attendez, écoute. T'es pas censé être un barde. Ouais, c'est classe. Tentacles, you know, quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar. Je raconte du Dark Fantasy. Ah, je vois plus en Jack l'Éventreur qu'autre chose, mais. Ah, ça fait très Mortal Kombat comme chara design. Ah, ouais, moi je le vois juste en train de buter des paysans, tu sais, dans une allée. De tuer des enfants gobelins, c'est ça? Moi aussi. C'est déjà fait. Ouais, mais ça c'était une belle chose, c'était bien, tu vois. C'était remettre la nature en ordre. Oui. Comme les sangliers, les gobelins. En plus, ils avaient des petites côtelettes grillées, les gobelins. C'était pas mal. La côtelette, bon, pas très grande, alors, mais assez charnue quand même. You'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? C'est ridicule. Non? Trop ce mec, il est complètement perché. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Tiens, c'est... If I just peer in your eye, I could quickly. Oh, dear sweet God! Tais-toi et aide-moi. I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Mais genre... Il est fou, ce type. D'où les bardes sont chirurgiens, maintenant. Surtout que c'est pas fini, vraiment, il est génial. Moi, j'adore ce perso, vraiment. Il est complètement taré. C'est quoi le truc? Est-ce que vous offrez un regain d'inspiration à un allié en utilisant l'inspiration de Bard? 4 PV temporaires. Ouais. C'est pas acquis, lui. Moi je parle au toutou, je lui fais des caresses. Oh, c'est. Oh. Pas des trucs à se vider là. Si tu parles le chien, il te dit que ça fait du bien et il te dit merci. Ok, d'accord, je sais pas si je vais tripoter le chien, perso. C'est un peu ça, ouais. Ils se font du bien, quoi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais. Mais il faut savoir. Bon, ben, repos. Oui. Alors, ce qui me déçoit, c'est que normalement, on était censé avoir une soirée avec les Tiflins, mais visiblement. Bah, on n'a pas encore validé qu'on allait en soirée avec eux. Pas faux. On a quoi? On n'a pas validé qu'on allait à la soirée avec eux. Mais si, parce qu'ils devaient nous retrouver au camp le soir même. Bah là, c'est un peu loin pour leur camp. Hein. Bah oui. Ah mais parce que son patron, c'est une meuf de l'enfer. Well, ça va. Avec Xavier, je vais encore remonter ton son, hein. C'est pas pardon, pardon, attends, mais c'est mon micro qui a bougé. My bad, my bad. God damn it. Anyone but her. Ah, tout le monde se connaît, hein. Ouais.
Ah, que le monde est monde petit. Est petit. Moi, je sais pas qui c'est et je veux savoir qui c'est. C'est surtout, qui êtes-vous par tous les diables? Diable. Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, class. Class sur 20. Zoriel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Targets shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. Alors... bah ouais, on va pas quand même faire du mal à notre best girl. Point. Thanks for the reminder. Oil burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Ouf. Sacrée transformation. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now. Let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Ta. Elle, j'aurais bien aimé la buter. Le problème, je crois que si on la bute, il risque d'avoir des soucis, le père Will. Oh, détail. Ah, on peut parler à Carla justement. Seems like a good moment to talk. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. J'adore la réponse 3. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Okay, est-ce qu'on a encore d'autres gens à qui parler? J'ai rien vu, je pense pas. Je pense pas, mais il en manque là dans le camp. De toute façon, je crois que si jamais tu parles pas au père, ceux qui vont te coucher te disent que t'as encore des interactions. Si, oui, ah, là si, où je vais encore là... parler à Will. Je vais. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not. Not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Même son œil a changé de couleur. Forgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Ouh.
these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast Eldritch Blasts. Before I was infected, I could even call hellbeasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Eh ben si, c'est pour le bien de la côte. Pour le bien suprême. Exactement. Pour je sers le pont enflammé. Question de clause de contrat, un petit cours de juridique, s'il vous plaît. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this: the moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Que maintenant tu regrettes un peu. Dixit, le mec avec des cornes et un œil rouge. J'avoue. Ah, je regrette rien. L'être, il l'a perdu. Alors forcément, il peut pas être rouge le deuxième. Ouais. Alors, souhaitez-vous aller vous coucher? Oui. Oui. Oh, quelqu'un d'autre choisit les rations. Je vais pas pouvoir tous nous bourrer la gueule. C'est un succès. Tu mets que de l'alcool, c'est un succès. Oui, oui, bah je l'ai fait. La première fois qu'on est allé au camp, j'ai dit « Ah, c'est moi qui m'en occupe !» J'ai fait ça. Attendez là. Ah. C'est marrant, j'avais jamais fait gaffe qu'on m'en était en train de bouscule ce soir. Hein. Ah là là, mais tout le monde veut nous parler, c'est un truc de dingue. C'est nous de dormir. Mais c'est la... Ah, mais c'est la waifu, je la reconnais. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Alors, que faudrait-il que je fasse? Yes. Halsin is correct. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. Je détruirai la magie de la larve. Symptom of a greater sickness in Faerun. The absolute aims are not yet clear to me, but its progress towards domination is clear. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. Alors, qui êtes-vous? Mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. It's complicated, but I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens.
The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça sent le piège. Hein. Go. J'ai jamais eu ces dialogues-là, moi. Bonne question. Certains de vos compagnons sont encore en train de dormir profondément. Ouais, je suis encore sur les dialogues, moi, parce que vraiment, j'ai jamais vu ces dialogues-là, donc j'essaie de choisir judicieusement. Ah, moi je me suis pas emmerdé, j'ai pris les propositions numéro 1 à chaque fois. Ah non, moi je vais fouiller un peu, mais ça s'est vite terminé. Ah bah, et bavarder avec moi. Que veux-tu ? Perso, je suis toujours... Ah non, ça vient de finir, je crois. Mais ouais, ça a duré un moment. Hein. Ah, c'est intéressant en vrai ce qu'il raconte. Bah ouais, c'est pour ça. Moi j'ai jamais eu ces interactions, donc... Ça me semble particulier, je... En vrai, je sais pas ce qu'elle vous a dit, vous, mais... Moi, elle me disait que c'était bah, qu'elle était infectée comme nous, quoi. Ouais, c'est ça. Après, elle te dit qu'elle doit défoncer des êtres machin super magiques. T'es là, genre, mais comment t'as fait pour te faire infecter ? Pas déconner. Bah après, elle s'est peut-être fait infecter quand elle était nulle, tu vois. Et depuis, elle est plus forte. Ah, bah, Volo veut nous reparler, mais il veut nous parler tout le temps. C'est bon, il a fini ses études, tu vois. Il est devenu expert en chirurgie. Eh, en une nuit, ça suffit. Hein. Je suis devenu prof en une heure, alors lui en une nuit il peut devenir un chirurgien. Après toi, je ferai une petite sauvegarde. Si on peut faire l'interaction que je. Oh putain, oui! Oh, c'est énorme! Ne nous spoile pas. Ça promet quoi, putain. Installez-vous! Oh, t'es avec la petite tête de mort sur le. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Ça pue le tas de cendres, cette histoire. Tout rouillé là, comment tu peux te sentir ? I assure you, I've dreamt of it a thousand times over. Mais bien sûr. J'adore. Ah, t'as peur de rien, gars. J'ai sauvegardé, je m'en fous. One of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. Il se transfère ça, je lui parle. The needle must slip behind your eye, not through it. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns. And begins. Oh là. Mais c'est quoi ce? C'est quoi cette? Il est malade. I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh la description. Ça y est, les choses sérieuses commencent à mettre au mari. Volo carefully withdraws the needle from your eye, then reaching into his bag. Oh mon dieu, ah, je veux pas regarder ça. Ah, je veux pas regarder ça. Putain, il y va au pic à glace quoi. Let's go. C'est terrible. Closer to your eye. Non, mais quelle merde. Et il va genre faire un énorme smack. Tu vas tellement perdre ton œil. Ah bah, là, il est déjà en très mauvais état, à mon avis. Hein. À mon avis, chose. Ça va pas bien. Hein. En fait, il va t'es surtout. Je tu choisis quoi, gars? Attends, j'aime bien le. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Oops. Threat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Fin du game. Bien dormi. There appears to be an amount of cosmetic damage.
J'ai pas lu Énuclé au départ. Moi non plus. J'ai l'impression que je ne vois plus que d'un œil. Espèce de crétin congénital, j'adore, ça me fait marrer. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. On peut le nettoyer d'abord. Take this. Et du coup il se barre. Le mec il se barre. Et du coup il se barre. Œil en sang, votre œil douloureux, sa petite expérience, des avantages sur cette perception. Ouais, ah, mais ça va. Mais ce qui est. Ouais. Détection de l'invisibilité, capable de voir les ennemis, bah oui, ça c'est mon sort. Attends, bah. Mmh. Ah, c'est bien, hein. Ça aurait été peut-être pratique sur quelqu'un qui est au cac, mais. J'ai un sort pour faire ça tout. Attends. Oui, mais maintenant t'as peut-être plus besoin du sort, hein. Ouais. Ça va être mis dans les caractéristiques du coup, c'est quoi, c'est quoi vision dans le noir, touche à tout. Ersatz deuil de Volo, très passif. Les dégâts que Volo avait infligés à votre nerf optique sont réparés et vous pouvez désormais voir les créatures invisibles. Donc, il n'y a plus besoin de lancer ton sort. Super, donc ça fait un sort d'économiser. C'est utile ça en vrai. Du coup, le truc c'est si je les vois, est-ce que je vous les révèle? C'est ça la question. Bah, dans ton cercle de 9 mètres à toi, pas à nous. T'as un détection de l'invisibilité, l'invisibilité permanent. Non mais ça c'est à moins de 9 mètres. Sort, ça c'est son sort. Ouais mais non, il a un état permanent. Ouais, c'est l'état permanent. Son œil lui permet de voir. C'est le même sort en fait, mais trop juste cool, que j'ai là, un œil bionique. Parfait. Est-ce qu'il y a des trucs mais à louper dans ce camp de champignons? Mais attendez, on joue à Baldur's Gate, on est pas dans Cyberpunk là. Ouais, mais de toute façon, tout se fait maintenant. C'est ah, il faut parler à Gail et il faut parler à Will. Alors, est-ce que j'avais un item je crois que j'avais un item que je pouvais filer à Will. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je crois que je l'ai refourgué à l'un d'entre vous pour le revendre. Quoi? De quoi? Quoi? Ah bah, il y a des pélois qui parlaient là. De quoi tu parlais? Il y avait un item que j'avais passé à l'un de vous, une amulette. Je pensais l'avoir gardé, au final, je ne l'ai pas gardé. Quelle amulette? Moi j'ai une amulette qui permet de filer aid, mais juste à moi donc ça sert pas à grand chose. Non, c'était une amulette des voix perdues, je crois. C'est ouais, c'est ça. Et bah, c'est plus toi qui l'as. Salaud! Il nous a volé notre travail! Il nous a volé! Mon précieux. Tu peux pas prendre un truc de merde qu'on peut vendre moins cher que cette amulette? Bah, le truc genre c'est qu'il y a pas de ternie. Gale peut absorber la magie de cet objet. De la breloque ternie? Ouais. Marqué à chaque fois, Gale peut absorber la magie de cet objet, ce qui le détruira. Breloque ternie, et bah je prends la breloque ternie et je te refile l'amulette des voix perdues. Ouais, parce que ça se vend. Et maintenant, je vais parler à Gale. Ah, sinon j'ai des gants, moi, que je peux lui filer. Hein. Ah, glad you've a moment for me. My situation devient quelque peu urgente. Je dois consommer un artefact magique. Already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Oh là là, cette espèce de junkie. Donner un artefact magique à Gale. Alors, on avait dit que c'était la breloque ternie, c'est ça? Quoi la breloque ternie? C'est breloque, bah c'est breloque, mais elle est ternie. Thank you. Ni 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 ni. C'est pas comme ça qu'on mange un artefact magique. Je suis sûr qu'une autre entrée est plus facile. Moi je peux filer si jamais il a encore faim des gants de merde. Enfin des gants que j'ai pu voir.
Il a un absorbateur magie dans le beach, je crois. C'est quand même pas super cool, quoi. T'as une dalle, tu dois te bouffer un Swarovski, c'est pas rentable, quoi. Encore ça va, Swarovski, un petit quartier là, quand ça commence à un peu. Allez, je vais être un salaud avec lui. Votre gratitude est bien loin de compenser ce que j'ai perdu. Comment comptez-vous me remercier? Compose a thousand stanzas that owe titled a gale of thanks and adulation. Sincerely though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Ça, c'est pour ça qu'ils nous disent tous ça, quoi. Non, mais clairement. Je voudrais ça plus tard. Non, mais plus tard. Non, mais demain. Allez, je peux pas. Tu serais dans le délire. Après. Je peux pas vous balancer mon arc narratif comme ça, merde. Ah. Et le scénarium. Et le scénarium. Vous y avez pensé au scénarium? Je parle à lui. Encore? Encore? On a déjà eu ça. Ouais. Oui, bref, allez, blablabla. Oui. Moi, je m'en fous. Pas du bon fou. Man. Every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of. On aura des nouvelles infos. That put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances. Oh, tellement pas ton pacte. T'as quelle réutilisation? Oh. Allez. Unless Mazora permits it, but I'll say this. Je te laisse finir ça. Moi, je vais aller récupérer. Ok. Ah, bah il veut de nouveau parler en fait. Vous voulez que je lui parle? Moi qui lui ai parlé tout à l'heure. Bah, essaye de voir s'il y a d'autres choses. Oh là, je suis en train de connecter avec son Mind Flayer là, c'est un nouveau truc. Hein, quoi? Ah. Ouais, c'est pas la même situation tout à l'heure. Il sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Raven God's abduction. Personne n'est d'accord, on veut trois choix différents. If Floric says he lives, then he lives. And we need to free him from his captors. You see, Grand Duke Ravengard is my father. Allez, tous ensemble. Que le monde est tout petit. Quel enfer. Ah, Baldurien, curieux. La tête d'Atémir quand il a dit ça, tu sais, genre t'as eu deux secondes et après t'as eu la réalisation, genre. Oh c'est ça. Là, c'est le temps que je me prépare à faire semblant, tu sais. C'est... Ah oui, c'est genre. Que je sois surpris. Oh, ouais, c'est ça. Mon Dieu. En fait, mais qu'est-ce que je m'en fous de ce qu'il raconte. Ah, faut être surpris là. Oh putain, j'en ai rien à foutre de ta lignée. J'adore. Le truc avec Mizora aussi, c'est bien. Oh, putain, tu me casses les couilles avec ton histoire. Quel enfer. Just the one. Allez. Yours truly. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. I can't tell you more. The pact forbids. Mais putain, mais le pacte, c'est bon là. Literally sealed. He made me an exile. That said, I'm not about to let him suffer at the hands of his captors. Il va vouloir le tuer lui-même. I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzan would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. C'est vrai que avoir le duc de Baldur's Gate entre guillemets dans la poche. He could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I know. And you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers. A man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. Blah, 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 blah. Will Ravengard. A memory of a memory.
A man who belongs to the past. I wanted you to know the blade, not the shadow he left behind. Allez, on se barre. I'm all for it. Ah d'accord. Oh là là. Il y a vraiment de quoi faire, hein. J'aurais pas dû cliquer sur ça, il y a trop de choix. Bon, allez, ciao. C'est bon, tu m'as gavé, mais... j'ai pas le temps d'écouter toute son histoire, là. Donnez-moi un thé, ou je sais pas, mais là, c'est bon. Here we go. Moi, je me casse. Exactement, c'est bon. Yes. Ah, je retrouve mon champignon. On se retrouve où? On se retrouve là où on était. Hein. Quitter le camp, bah oui, tout simplement. Tout simplement, quitter le camp. Ah. Mais c'est vrai que t'avais une nouvelle robe, toi, la fois dernière. Mais oui, moi je suis trop stylax maintenant. Bah moi j'ai un truc, mais je sais pas si ça marche. Il faut en combat et que je prenne des dommages. Si ça fonctionne, c'est du génie. Si ça fonctionne pas, c'est triste. De quoi? Bah en fait, j'ai une robe qui fait que je gagne rage dès que quelqu'un me tape. Pardon? Quoi? Ah. C'est pour ça, j'aimerais bien savoir si ça marche. Mais si ça marche, mais c'est non, du... c'est pas rage. C'est colère, c'est pas la même chose. Ah bon? Bah oui, non, t'es ouf toi. T'as qu'à... Non, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. C'est plus un dommage au cac. C'est plus un dommage au cac, c'est bien aussi. Ah bah j'ai un coffre là. En fait, alors, c'est une cache des Zenta trucs là. Un petit Zentarim. J'arrive pas à t'atteindre là, je sais pas où t'es. Bah, t'es où de l'autre côté. Je suis littéralement à l'endroit. Et est-ce que quelqu'un a réussi à ouvrir le coffre rustique qui est verrouillé? Ah bah c'est, en fait, j'attends le guidance de venir. Mais oui, mais j'arrive pas à te le balancer. Ah, ça y est, c'est bon. Merci. J'ai cru que t'allais le push dans le gouffre. Mais non, non. Bon, il faut faire 10, j'ai un bonus de 10. Je pense que c'est réussi. Alors, je parlais pas de ce coffre-là, Atemir, il y en a un deuxième. Ouais, écoute, j'arrive. Ah ouais. Hop. Il est où? Juste à côté de moi. Moi, je vois pas de coffre. Tu peux pas le pinguer? Ah, c'est bon. Bravo. Je l'ai. Oh, t'inquiète, tu sais, il y a un coffre lourd ici, tiens. Attention, c'est piégé. J'arrive. Il y a un autre coffre rustique ici. Oh, trop bien. Ah, mais oui, c'était par là que j'étais arrivé, moi, dans notre Dortark. Je sais même pas où il monte sur mon charge. Bah, attends, tu peux aller voir. Allez. Voilà, il fallait faire 15 pour désarmer. Oh là là. Il est en dialogue. Energy of the Underdark. The Myconid might die if isolated from it. Ah ouais non, si je m'en vais, il s'en va, donc je vais garder avec moi. Arda, est-ce que t'as déjà ces scrolls que je te dépose dans ton inventaire? On va voir ça tout de suite. Ces gars. Moi je pense que c'est du blanc et simulacre de vie, déjà connu. Lancer le sort, c'est quoi ça? Communication avec les morts, mais oui, je connais tout ça. Bah écoute, tu pourras les vendre. Le coffre c'est pour toi, Katox. J'ai des flèches. Oui. En fait, j'ai les clés de tout le monde. Ouais, c'est pour ça. Je vais soigner mon champignon. À ne pas sortir du contexte. Vous avez tout looté par là, j'ai l'impression. Elle a mis cause, hein. Vous voir, elle a mis cause. Attends, mais peut-être que si je fais aid, je peux leur filer 5 PV à tous. Je sais pas. Je vais tester, attends. Ah ouais! Ah, c'est bien ça. Swift as my feet can carry me. Donc on a tous pris 5 PV? C'est cool ça. Non, moi j'ai pas eu le droit, j'étais pas à côté. Ah merde! Elle m'a perdu! Ah là! Bah, dommage! Ah là, ça t'apprendra à aller tout seul dans ton coin. Bah ça va, j'étais en train de jouer avec une brouette, je peux tout faire hein! J'étais en train de jouer avec une brouette! Putain, j'attendais pas! Une sortie, pourquoi vous allez par là? On vient de là! Tu veux aller où après? Bah je sais pas, de l'autre côté. Ah, on n'a pas fini de visiter ici, on va pas. Ah mais bah, oui d'accord, ailleurs. Mais non, bah, excusez-moi, je me suis sens d'orientation de nain. Attends, parce que si on casse les gemmes luminescentes, ça fait des trucs pour faire des potions. Par contre tu feras gaffe. Non, c'est juste des charmes de fluide. Il est resté là-bas. Et ça fait quoi? C'est pas pour des potions? Non, c'est juste un truc que tu vends okay. Un PO je crois. Ok bon, ça dégage. Pour Minotaur, il est resté au mont de charge. Comment ça? Ça, il est bloqué, t'as vu la taille du bordel? Attends,
vais le faire descendre. Puis on va voir s'il va nous suivre. Là il bouge plus hein. Faut que tu le fasses bouger, je pense qu'il est ouais, il faut que tu le fasses bouger de toi-même. Allez, choupignou. Allez, yes, bravo, let's go. Pourquoi mon perso il se casse? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi je te soigne vraiment, tu te démerdes. C'est vraiment mais les mais pourquoi j'ai plus mon... Ah oh, bah lui aussi tiens. Putain, oh, mais il est mort du coup. Bon bah voilà. Attends, au moins ça règle le problème. Ah et du coup t'as plus le Minotaur non plus? Bah non, vu que c'était grâce à lui. Ah bah non, bon bah ça règle le problème. Voilà, ça c'est fait. Bon, bah, allez, on l'a pas vraiment vengé hein, le cercle de Glut. Ouais bah si, on l'a vengé, il est mort. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, non. Je sais pas si l'autre il va être content, l'autre champi. Hein. Alors votre pote est parti avec nous, bon, mais il y a eu un problème. Il a pas été accepté par l'autre, le champi. On va ici, ça vous branche? Là où j'ai mis une petite flèche à gauche là. Une petite flèche à gauche là. Flèche. Petite flèche à gauche. J'ai mis un marqueur sur la carte à gauche okay, donc on va plein de sud. La colonie. Comment? On va plein sud. Mais non, ça c'est à droite en bas ça. Ben on va plein sud, c'est là où t'as ta petite flèche à la con, custom marker. Allez. C'est pas celle-ci, c'est l'autre, à gauche j'ai dit. Bah oui, mais donc spécifie tes merdes. Lecture ah, de cartes. Ah d'accord, ok oui, parce que moi j'étais en train de partir dans... La lecture de cartes. Donc non, c'est pas par là. On va pas par là, hein, c'est ça. Ah là là, ouais. quelle maîtrise. À travers À travers les tréfonds, À travers les champis. Mangez-moi. On fait la course avec le barde là. Hop là. Putain, Katox, je suis en train de te rattraper. Hein. Oula, oula, je viens. Oh, j'ai dit que j'allais te rattraper. Attention. Et en même temps, je vais faire une frappe d'enchevêtrement juste pour le faire chier. Non. Donc, c'est par là. Et là c'est de plus en plus travaillé. Je sens qu'il va y avoir des gens. Merde, je vous ai pas suivi. Vous êtes parti où? Oh là là. Mais qui regarde où on est? Mais non, moi je regarde pas, j'ai avancé ailleurs. Ah merde, c'est le nain qui a pris la tête. Ça c'est le nain. Ah, c'est vrai. Okay. Il va à la mine. Il y a des ouais, genre sur lesquels on peut tirer. Ah, il y a un trou profond ici. Hein? Un trou profond. Je clique dessus. Titre. C'est pas fait. Que ça va profondément dans le noir. Hello. Jump. Saute. Non. On m'a demandé de crier dans le trou. Un petit phaser pole et on saute, non? Et quoi, c'est tout? Le mage là, tu peux pas cliquer dessus? Ah, je sais pas, oui. Ah, attendez, il y a un truc là. Où ça? Là. Bah loin. Bah oui, mais faut d'abord voir où mène le trou. Bah c'est ça. Arda, t'as pas phaser pole? Si le... Mais je suis bien sûr que j'ai phaser pole. Et bah tu peux essayer de causer au trou, voir s'il te propose pas de sauter en phaser pole. Ah, oh. Sinon tu peux pas genre juste sauter dedans. Oh, ce serait en fait. Malin. Eh, t'as vu, j'ai réfléchi. On a pas l'option. On peut pas sauter. Ah, et même physiquement tu peux pas sauter dedans. Mais non, mais peut-être que en option de dialogue, tu vois. Non, j'ai essayé avec le saut. Tu pouvais juste dire s'il y avait quelqu'un. Mais tout le monde veut lui parler à ce trou, c'est pas possible. Ah, titre. Ah, il a réussi à en faire vie. Bon bah voilà. C'est un trou. De quoi il parle? Quoi? De quoi il parle? Bah mon mec il a dit que... Il y avait une créature qui avait marqué son territoire. Des entailles neuves profondes et récentes, l'œuvre d'un monstre qui voulait marquer son territoire, sans doute. Ouais, ouais. Et c'était quoi le truc que tu pingais tout à l'heure, Oh, une fleur de susurro. Bah, je sais pas, là, y a un casque creeper d'ailleurs. Ouais, et bah, on va y aller. Attends, stop, bouge pas, parce qu'il y a un truc qui s'active quand tu. Il y a une fleur de susurro là-bas. Alors, éloignez-vous, moi je vais tirer sur ceux-là. Paf. Oh, T'as gagné de l'inspiration pour ça? T'es un fanat des champignons, je savais. Moi je me casse, hein. Je me sens pas bien. T'es un drogué. Je peux casser le fireball là-dedans. Vous l'avez vu là? Y'a un truc là. Y'a un mob, par ici là. Là-bas là, attendez. Oh là là.
Putain, y a les poils de barbe qui ont grillé un peu, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais marche pas dans le feu. J'ai oublié. J'ai pas pensé. Mais qui est con? Ah, je peux t'aider pour t'éteindre. Ah, vous l'avez vu là? Aurore. Aurore crochue. Oh, alors, la fleur de Susurro, on la prend ou on la prend pas? Ça. Chant de l'antimagie du Susurro. Attendez, bon, d'abord, il y a une Aurore crochue là. Venez, on se la fait là. Alors, peut-être qu'on va pas la garder sur nous? Ah, je peux pas lancer de sort. Donnez ça au nain, il y en a rien à foutre. Mais non, moi je m'en fous, je l'envoie au camp. Mais donne-le à moi, j'ai pas de sort. Mais non, mais tu seras en claque avec moi, donc tu as baisé tous mes sorts. C'est qui a pris la fleur de Susurro? Ah bah c'est pas moi. C'est Arda. Mais pourquoi il me l'a chouré? Bah non, je l'ai pas prise, je l'envoie au camp. Si on la garde avec nous, ça va nous... En vrai c'est stylé, pour un... si t'es un groupe sans magie, c'est pas mal. Vous voulez pas vous faire le gars qui est là? Bon, si on peut... Bah, je sais pas, y'a un combat là. Y'a une horreur crochue là. Y'en a un là. Mais la quête qu'on doit faire est au nord, donc faisons d'abord la quête qui est au nord, et puis voilà. Ouais, mais y'a des mobs à tuer là. Oui, mais tira après. Oh, d'accord. De toute façon, on les tuera tous de base. Je vous avais dit que j'aimais bien les combats, ou comment ça se passe? Ah, vous êtes en mode. Par contre, Katox, t'es toujours mal en point. Pas grave, ça me détend. Y'a encore des mobs devant, y'a du rouge. Ouais, y'a surtout des milliards de... C'est quoi ces milliards de... C'est quoi ces milliards de champignons qui explosent là? C'est quoi ce gars là? Ouah, t'as sauvegardé hein. Ouais. Ah bah c'est ça, ça sent le tas de cendres. C'est pas le fameux nain là? C'est peut-être le mari de je sais pas qui, non? Ouais, c'est si ça. Vous voulez, j'envoie mon petit... ma petite pelle en mode invisible hein. Ouais, ouais, attends, vas-y, attends. Parce que je sens bien le... Oh putain. On va sauvegarder... Quand tu te rapproches des trucs, ils commencent à briller. Ouais, ça pue la merde. Mais il peut pas parler, ton bonhomme, là. Non, il peut pas parler. Il est pas en bon état, le... Est-ce que tu peux... Il peut éteindre la torche, ou pas? La torche, est là, là. L'humanoïde, c'est un nain, il a 4 PV. Est-ce que ton pet, là, il peut éteindre la torche qu'elle a? J'ai peur que ça désactive mon invisibilité. C'est pas grave, il te verra pas, le gars. Impossible. Ah putain. Parce que en gros, j'ai peur que si on avance, ça fasse péter. Attends, les gens. Attends, moi je peux faire une invisibilité. Tu peux pas la jeter la torche sinon? Non, je ne peux rien faire avec la torche. Bah attends, quoi? Oh. Et what? Ah si, quand même. Oh, ok, ouais. Ça change rien. Ok, ça change rien. Ok, ça change rien. Aïe. Ok, c'est pas comme ça qu'on fait. Personne n'a rien vu. Let's go! C'est des génies, ça, Katox. Bah, c'est des génies. Bah, tu m'as dit que l'invisibilité, ça passe. T'étais pas en cachet, t'as couru. Mais j'étais en invisibilité. Ou alors faut avancer tout doucement. Et on s'en fout de l'invisibilité, en fait. Je sais pas, le petit péon, il a pas détecté. Ou alors faut peut-être être tout petit. Bah, ou alors faut marcher doucement. Je vais essayer de shape-shift, voir si ça fait quelque chose. Attends. Je vais y aller en cachet et puis on va. Ah, mais attends, mais j'y vais en Misty Step! Et je l'éteins la torche en Misty Step! Si j'y vais tout doux. Non, c'est mort! Vas-y, je vais y aller en Misty Step, recule, je vais. Ouais, vas-y, ouais, Misty Step. Après, n'empêche que si tout explose avec du poison, t'es quand même baisé. Hein. Bon, attends, je t'en fais quoi là? Yes! Bon, faut aller lui parler maintenant. Pendant que je suis là, je lui parle. Hein. Vas-y, ouais, saute par dessus peut-être. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Genre vite. Ouais, je peux le pickpocket. Non, tu lui parles. Ah, pardon. Excusez-moi. Les mauvaises habitudes. Bibabang. You recognize the name. Bibabang, a mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. Vous en allez. I know that. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Thank you. Thank you. Ouais, il est où son sac de merde là? Ah, il est là-bas. Oh, c'est si loin. Il est où? Ah non, il est là. Bah, alors là, il y a son sac. Ah, il y a un truc noble. Et là, il y a un truc là.
C'est un pied de noble. Et il est mort. Non, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, il est vivant. Maintenant, il est mort. Je le soigner. Eh putain, j'ai pas eu le temps de le soigner, merde. Bah, on peut recharger, hein, c'est pas grave. Putain, il m'a même pas attendu, on peut peut-être le faire galoper dans les. Mais donc, quand Misty il a Step, Misty Step, ramasse la torche, chope le sac. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il va lui parler. Ah, j'avais pas vu le sac avant en fait. C'est bien quand on a un petit peu de stratégie. C'est bien quand on a un petit peu de stratégie. Pour une fois, c'est pas moi qui en place le plan. C'est bien quand on peut save scum surtout. Ouais. Ouais. Alors, Misty Step, c'est ça. Il y a un truc là. Espèce d'hôtel qui est là-bas. Tu veux pas consommer ton Misty Step, moi je peux te filer une potion de saut, de triple saut. T'inquiète, t'inquiète. Bah j'ai Misty Step, faut autant s'en servir. Hein. Par contre, je sais pas d'où il vient. Peut-être qu'en combat c'est un plus intéressant, je sais pas. Qu'est-ce qui me donne Misty Step? C'est pas un objet. Si, mais voilà. Par contre, j'ai perdu Pelle, je ne sais pas où elle est passée. Double clic sur son. Juste sur sa frame, ça fera. Je ne la vois pas. Oh non. Et bon, alors vite me préparer à le soigner. Non, là il est mort. Non. Mais non, mais je sais pas pourquoi cette fois-ci il a pas. J'ai pas chopé la truc suffisamment vite. Vous n'avez rien vu. Dommage, le plan était infaillible. Ah ouais, là c'est franchement. Mais... C'est bien une équipe c'est la fin de sauvetage professionnelle. On a fait ça toute notre vie, hein, ça se voit. Vous noterez que. Même quand on essaie de sauver les gens, on a quand même beaucoup plus de facilité à tous les tuer. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Bah, Moi, j'ai toujours dit, je suis fait pour buter les gens, pas pour les sauver. Dans tous les moi jeux. Moi aussi j'ai toujours dit ça. Comme ça. Ah dans le jeu. Mais attendez, est-ce que oui. Avec Gust of Wind, je pourrais pas. Bah, non, ça pousse les créatures à 5 mètres, donc c'est peut-être pas forcément. Non, je pensais mettre une petite. Une petite brise légère pour retirer. J'ai réfléchi là. Oh, il y a un scroll de Misty Step. Oh là là. Bravo, le garçon. Saute. Oh là là. Oh là. Mais non, je crois que je lui ai parlé quand même. Loin. Je lui ai parlé, mais ça a pas marché. Vas-y. Est-ce que tu vas réussir à le heal? Et... Ouais. Let's go. Attends, j'ai cliqué à côté, je t'ai dit. Faut que lui ne meure pas. Ouais, bon, en plus, ici, il a 25 PV, il se fout de ma gueule. Attends, par contre, le champi, il est encore vivant. Ah oui, le champi est encore vivant là-bas. Bon, quel champi contre, Attendez, c'est quoi, c'est du poison? Attendez, je suis en train de lui parler à Jacques. Attends, j'arrive. Oh, écoutez, a... si je sélectionne le bon personnage. Yes. Attendez, mais c'est ça, on fait péter tous les champignons. Maintenant, on peut faire péter les champignons. Il t'offre un champignon, ou un parchemin de Misty Step. Quoi? Il m'a donné un scroll d'invie. Youpi. Let's go. Il nous fallait le champi. Il y a un champi là-bas. Il y a un champi, il y a un espace des gouffres au fond, mais après, si tu peux mais sauter... Maintenant qu'il est plus là, on peut faire péter tous les champignons. De là à là. Oui, t'as raison. Vas-y, faisons péter tous les champignons. Allez. Vous savez quoi, je vais lancer une petite boule de feu là, vous en regardez pas trop. Non, pas une boule de feu, lance juste un trait de feu de merde. Bah oui, non mais c'est pareil, c'est juste que je sais pas parler. Mais non, mais tu vas faire brûler le champi, non? Bah écoute, au pire, on va le savoir tout de suite. Le champi. Bah je sais pas, hein, tu mets du feu avec un champignon, je pense que. Putain, s'il y avait un mob là, hein. S'il y avait un mob, il aurait passé un sale quart d'heure, c'est moi qui vous le dis. Alors, bon bah je ne vois plus le champi. Bah, en même temps, je le voyais déjà chose. Pas avant. Non, mais ça a brûlé le champi, c'est mort. Mais non. Bah, si. Si. Ah, putain. Bah, t'as vu qu'on a développé l'apocalypse là, tu sais. Eh, c'était pas mal. En vrai, il fallait tester. Après, est-ce que Allez. Allez, Katox, on compte sur toi. Quoi? Bah faut qu'on aille prendre ce champi de merde là, je sais pas ce que c'était mais ça devait être important. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Quoi ça va? C'est une quête! C'était une quête!
Vous n'avez rien ce qui est bien, vu. C'est que j'allais récupérer un espace des gouffres et... Bah non. Là, tu pourras toujours aller le chercher après. Ah, si, bah, ou alors, ce que tu fais, c'est que tu fais tout péter et t'as pas, on n'a pas une potion d'insensible au poison, une connerie du genre. C'est vrai que je suis pas sensible au poison. Qui est résistant au poison? Ouais, mais je peux pas lui donner à Jackie là. Je peux pas... Ah oui, mais en Irlande, je suis résistant au poison. Ouais, moi aussi. Ouais, mais résistant, c'est-à-dire que je prends la moitié des dégâts, mais t'as vu la quantité de poison. Ah, attendez, moi je peux donner protection contre les poisons et neutraliser tous les poisons qui affectent la créature. Moi j'ai résistance. Non, j'ai protection pour le poison. Non, j'ai un truc, attends, j'ai un truc. C'est résistance aux dégâts de poison, mais je ne peux plus être empoisonné. Bon, allez, vas-y. Ah merde, ils l'ont encore vu. Donc ça, ça veut dire que tu sors pélo là, et puis. Et puis j'y vais, je bois ça, et puis basta. Ouh, bien, c'est encore mieux passé que la fois d'avant. Dès qu'il est sorti, moi je galope. Il a sauvegardé. Ça me tue. Ah bah attends, on va pas y passer 3 heures non plus. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Scroll! Escape! My bag, please! I've dropped it somewhere! Yes! That's... Yes! Les parchemins, c'est pas donné, vous savez! J'ai bien envie de le dire ça, en vrai. Mais Bah, c'est le sien. Oui, je sais pas. Comme ça, il le sait pas. I just have to... And then... Here! Ah, right, has done it. I must need to go. For you. Your trouble. Ta. Bon, ça c'est fait. Ensuite, je lui ai dit que j'avais rencontré sa femme. Ah, mais oui, oui chef. Moi, je... Mais attends, tu peux pas... aller le chercher là. Tiens, j'y vais. Je te file ça au cas où, comme ça tu l'as sur toi. C'est quoi? Bah une potion, si tu la prends, tu peux plus être empoisonné. Mais c'est la même chose. En plus, ça reste jusqu'au prochain long repos, donc tu peux vraiment y aller comme un baraki, quoi. Derrière toi. Là, oui, à minute, j'essaye de pas crever là. Bah t'as vu la potion, tu t'en fous, tu peux plus être empoisonné. Oui, mais je peux prendre les dommages encore. Bah non, y'a pas de dommage. Ah non. Vu que tu peux plus. Ah ouais, ah bon bah rien. Il a pas compris le principe. T'en as un autre, hein, reviens pas tout de suite vers nous. Ouais, là y'a un truc. Y'a plein de trucs là-bas. Où ça? Là où j'ai pingé. Ah regarde, là y'a un truc. Ah oh, oui, effectivement, j'ai... Ah, non, et t'as un spatz des gouffres juste à côté. Oh, vitriol de la bougie de LOLS. Ah, mais du coup, Katox, je t'ai peut-être envoyé des trucs qu'il faut que je récupère. Oh. Quoi donc? Je vais aller les chercher comme un grand, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien cet élixir là. C'est pratique. Du de LOLS, je crois que c'est... Ah mais non, mais je les avais pas... je te les avais pas envoyés, on a reroll depuis. Ok, bah tous les éléments que t'as trouvé à Temir, tu peux me les envoyer, si les trucs d'alchimie. Ah c'est vrai, faut que je fasse le passage de t'envoyer tout ce qui est alchimie chez moi. Et fait. Bon après c'est facile, hein. Tu sélectionnes tout, tu fais clic droit... Arda et on parle plus. Oui, Et bah, ça, c'était une bonne chose de fait. Ah bah voilà, attends, en plus, moi aussi j'ai une potion de résistance au poison. Bon, maintenant qu'on a fait ça, est-ce que je peux tout cramer? Ah oui, oui, oui. Bon. Rien. Voilà, j'adore le feu. C'est hypnotique. C'est qui fait de la musique là? C'est moi. Ah, à ton avis. Moi je te vois pas jouer par contre. J'ai mis la boîte à musique. Ouais, okay. Parce que je me disais la musique normalement. Je veux la même en vrai. Dans le monde véritable de la réalité, vrai?
Ouais, dans le monde de... Et celui-ci, tu l'as oublié? De quoi j'ai oublié? Celui-là, là. Oui, bon, on va y aller, au lieu oui, de jouer les incendies. Oui, de foutre, hein. Bon, vous combat? Bah ouais. La coquille, on va peut-être stopper l'épisode-là, d'abord. Ah, pardon. Déjà? Eh oui, déjà. Ça prend 55 minutes de sauver un péon des champignons. Hein? C'était du grand gameplay, messieurs dames. Ah, c'était. Ne faites pas ça chez vous, ce sont des professionnels qui ont réalisé des cascades. Ouais, c'est exactement. Ça. Exactement. Une perte de temps. Professionnel de la pyrotechnie. Allez, on fait des bisous. Yes, à bientôt tout le monde. Ouais, tout des bisous.